un petit truc. Yam, on a perdu. On a perdu. Vous avez perdu, c'est sûr. Hey, c'est un reflet. Je vois ce que. C'est la voiture, c'est tout. Le mieux, c'est. Oh là 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 là, oh le siège. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Soulevez l'arbre. Il y en a une qui fait pas le tour là-bas. Hein. Ah, ben ça va plus, ouais. Comme ça, va. Il en manque une. Ah, il en manque une. Allez, qui c'est qui? Qu'est-ce qu'il va donner? On ne voit pas. Vous avez plus de serre, non? Allez, Rosie, allez. C'est madame. Ça va? Cathy. Cathy, par ici. Et ils veulent vous arracher l'arbre, là. Et un peu en biais aussi, ce sont ces marques de baramine qui sont restées telles quelles.
On a préféré éviter la poudre à canon, hein. On est sur une roche calcaire, c'est comme ça. Hein. C'est aussi le refuge des hirondelles qui viennent migrer d'Afrique du Nord pendant la période estivale. On peut en voir, alors dans les petites cavités, là, il y a des lits un peu partout. On en voit aussi parfois dans les renfoncements. Là, il y en a un petit vol. Hein. Et ce chemin est également devenu un lieu d'inspiration et d'expression artistique pour Daniel Mounier, un artiste sculpteur qui a découvert le site dans les années 80. Alors à l'époque, le chemin était tout embroussaillé. La batellerie n'avait plus lieu, donc on n'entretenait plus le chemin. Il est tombé amoureux du site et il a décidé de graver sur cette fresque les éléments de la rivière. Alors il lui a donné un petit nom. Il l'a appelé tout simplement le Lot. Voilà. Alors sur la droite, on peut voir des vagues qui représentent le mouvement de l'eau. Au centre, on y voit un poisson. Vous voyez ce poisson ? Oui. Ok, alors on va partir du poisson. Un peu plus à gauche, on voit un cercle lissé. Encore un peu plus à gauche, on voit deux gros coquillages. Vous me suivez ? Oui. Ok. En bas à gauche, en tout petit, avec les ailes repliées, la tête de profil qui regarde vers la droite, c'est un faucon pèlerin. Ouais, à ce moment-là, je perds la moitié des passagers en général. Sa tête est noircie, ce sont les passants à force de toucher la roche. Importante. La gabarre fait 4 mètres de large, l'écluse en fait 5. Vous avez compris, il y a très peu d'espace entre les bajoyers, les parois de l'écluse, et le bord du bateau. Une fois qu'on sera dedans, ça va secouer. C'est pas une attraction. Donc s'il vous plaît, merci de ne rien laisser dépasser du bateau pendant tout le temps de l'éclusage. Rien sur les rambardes. Bras, tête, coude, appareil photo, enfant, tout à l'intérieur. Et merci de bien rester assis à partir de maintenant jusqu'à la sortie de l'écluse. Merci. Pareil, on pourra dire bonjour à Léo et Lucas, c'est eux qui décident si on sort de l'écluse ou pas. On est pas gentil alors. Et en marchant, ça ira sur les profondeurs. Oui, ça dépend du mille. On peut dire merci. Le problème, c'est que ça ne convenait pas au passage des gabariers qui, eux, retiraient ces pierres, faisaient ce qu'on appelle des passe-lits pour pouvoir circuler. Ce qui ne convenait pas aux meuniers qui les retiraient après, ce qui ne convenait pas aux gabariers qui les retiraient, qui est le meunier, les meuniers, vous avez compris, hein, c'était un peu la guerre entre meunier et gabarier. Ça pouvait y aller à coup de fusil, ils rigolaient pas. Hein. Donc les écluses ont permis de trouver un terrain d'entente commun. Également, il faut savoir qu'on en a à peu près tous les 4 km des chaussées, et comme je vous expliquais en début de croisière, la source est à 1300 mètres d'altitude et la rivière est peu profonde. Donc si on n'avait pas toutes ces chaussées, la rivière ne serait qu'un torrent à faible fond, bien plus difficile à naviguer. Ça permet donc de remettre à niveau, de faire des sortes de bassins à chaque bief. Les biefs, ce sont ces passages de navigation entre chaque écluse. Ici, c'était une mer intérieure. Et vous avez ces lignes horizontales tout du long là que l'on appelle des strates géologiques, ce qui marque l'évolution historique de ces falaises qui culminent jusqu'à 80 mètres de hauteur pour le point le plus haut. Et on peut distinguer différentes couleurs. Le gris foncé, c'est du bioxyde de manganèse et l'ocre, c'est de l'oxyde de fer. Ces pigments sont ressortis par l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans la roche et qui a oxydé, qui a fait rouiller en fait. Et ces couleurs étaient utilisées déjà par l'homme de Cro-Magnon. Il récupérait la roche, en faisait une poudre, la mélangeait à une graisse végétale ou animale, et s'en servait pour faire de la peinture, exactement. Ces peintures qu'on retrouve aux grottes de Pêche-Merle, par exemple, à Cabreret. Les grottes de Pêche-Merle qui ont conservé leur peinture originelle, ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les grottes préhistoriques.
Pas forcément ici, hein, mais voilà, à chacun ses passions. Alors certains disent aussi que c'est un spot d'entraînement. Bon, j'aurais peut-être pas commencé par là. Mais surtout, ils ont surnommé l'avant de la falaise la tête d'éléphant. Entre gabariers, éclusiers, artisans, ceux qui venaient réparer les bateaux, les villageois qui venaient pour acheter, etc. Hein, ça circulait énormément. Il y avait même un chemin qui reliait le port à Saint-Cyr, qu'on appelle le chemin des mariniers, qu'on peut encore emprunter aujourd'hui. Ça grimpe un peu, faut des bonnes baskets. Et la bâtisse que vous voyez juste derrière, ça c'est le moulin d'Olanac. C'est un moulin qui a été classé monument historique et il a conservé son architecture typiquement quercinoise, avec cette toiture pointue qui s'arrête au mur de la maison et le bas un peu plus biseauté. On appelle ça des coyots. C'est pour éviter à l'eau de pluie de s'infiltrer dans les murs. Et la bâtisse que vous voyez juste à côté, ça c'est la maison éclusière. Alors celle-ci n'a plus son architecture d'origine. On peut voir qu'elle a été rallongée à l'arrière, on n'a plus le double escalier, mais toujours une entrée en hauteur quand même. Et si on allait dans cette direction, on arriverait au niveau de la chaussée. Pareil, on ne va pas y aller, on n'est pas fou, hein. Mais si vous observez au fond, en hauteur, on voit une tour. Vous la voyez ? Cette maison là-haut, là, c'est ce qu'on appelle l'octroi. Autrement dit, un péage. Il fallait que le bâtiment soit suffisamment conséquent pour accueillir le nombre de personnes nécessaires. D'ailleurs, à l'angle là, juste devant aussi, on peut voir que c'est fortifié. Hein.